Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle étape gourmande de notre Tour de France de l'agroalimentaire ici en Ile-de-France. Je vous emmène bosser à Grigny au sud de Paris chez Lefeuvre en compagnie de Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Géry, ça me fait plaisir de te voir. Eh ben moi aussi, merci beaucoup. Alors toi, tu fabriques des crêpes, c'est ça? Oui, je fabrique des crêpes pour le marché de francilien en Donc, Ile-de-France. Il n'y a pas qu'en Bretagne qu'on fait des crêpes. Il n'y a pas de raison qu'on fasse pas de crêpes. Eh ben écoute, je suis ravi de découvrir ton métier de artisan crêpier du coup. Et je t'invite à en prendre cette blouse et on va y aller tout de suite. Allez, on va nous accompagner. C'est parti. Bon alors Géry, tu sais les faire les crêpes? À la maison, mais ici, c'est un peu XXL ici. T'en fais combien à la fois là? Pas beaucoup, 10. Eh bien écoute, je vais te montrer comment on va en faire à peu près 1000 d'un coup. 1000? 1000. Waouh. Dans une bassine pleine d'eau, ouais. Tu vas rajouter de la farine. Label rouge. Label rouge, c'est très important, et une farine locale. C'est important ça pour toi? Ah, c'est capital. C'est capital, je suis très attaché au caractère local, au caractère écologique. Tu vas rajouter des œufs, il y en a déjà eu un petit peu, mais tu vas mettre un peu plus. J'arrose comme ça? Ouais. Du sucre. Du sucre. Là, c'est pour une famille nombreuse, là. Mais alors, vous faites que des crêpes ici, vous? Non, on fabrique également des galettes de sarrasin. D'accord. Des blinis et des pancakes. Génial. Ça fait combien de temps, toi, que tu bosses dans le métier de la crêpe? Plus de 20 ans maintenant. Ah oui, 20 okay. ans. Et quelle formation tu avais au départ? École hôtelière de Strasbourg. Toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce job, Philippe? Alors moi, ce que j'adore, c'est le caractère alimentaire. C'est-à-dire qu'on est en train de fabriquer des produits que les gens vont manger. Le plaisir, quoi. Donc, il faut qu'il y ait du plaisir, il faut qu'il y ait des émotions. Et alors, Lefeuvre, c'est ton entreprise? C'est l'entreprise que j'ai rachetée, effectivement, il y a 20 ans. Et vous êtes combien dans l'équipe? On est une douzaine, là. Ah ouais, petite PME, quoi. Une petite PME. Et qui grandit? Qui grandit de plus en plus. Donc, tu recrutes des crêpiers? Tout le temps. Crêpiers, crêpières. Dont on assure la formation. C'est-à-dire que moi, si j'y connais rien, je peux venir fabriquer des crêpes avec toi. Tu es le bienvenu. D'ailleurs, on va commencer. Allez, c'est parti. On va mélanger, alors. On va mélanger. Et pendant ce temps-là, on se tourne les pouces? Non. Il y a toujours des choses à faire. On ne s'ennuie jamais dans l'industrie agroalimentaire. Ok. Et alors, les rythmes de travail ici, dans ton entreprise, c'est quoi? J'ai l'équipe du matin qui arrive à 6h. Ouais. Et l'équipe de l'après-midi qui arrive à midi. Moi, l'agroalimentaire, j'ai toujours une image. Allez, c'est sale. Il fait chaud, ça sent mauvais. Non, l'agroalimentaire, c'est un ensemble de règles extrêmement précises. Il faut être rigoureux, quoi, en fait. Il faut être rigoureux et il faut être professionnel. Ah ben, les voilà nos crêpes, Philippe. On se régale avec les yeux, là. Hein. Là, on est sur la deuxième cuisson, là, tu vois. Donc, ça tourne, c'est ça? Ça tourne, absolument. C'est ce qu'on appelle un manège. Un manège à crêpes? Absolument. Ah, donc, la pâte qu'on a fabriquée, on la met là, dans la bassine? Une pompe aspire la pâte pour la déposer dans la trémie qui est ici. Elle est filtrée en passant. Ok. Et de la trémie, elle va au distributeur qui dépose la quantité exacte sur la plaque. Et donc le métier, il consiste en quoi en fait? C'est des réglages? C'est constamment des réglages parce qu'on est dans un produit qui est vivant. La farine n'est jamais la même, il faut constamment adapter le produit et les réglages. Et alors vous faites que des crêpes sucrées rondes? On fabrique des crêpes sucrées, des crêpes rondes, mais également carrées ou rectangulaires. Là tu vois, la pâte est déposée sur la première plaque. D'accord. Et donc la crêpe est cuite une première fois tranquillement, où elle est remontée. Elle monte sur le tapis. Elle monte sur le tapis. Toute seule comme une grande. Ah oui, elle est retournée ici. Et là, elle est retournée pour être cuite sur l'autre face. Alors la cuisson sur la deuxième fois, c'est très importante pour des raisons d'ordre qualitatif. D'accord. Voilà les galettes qui ont été fabriquées ce matin. D'accord. Ça, c'est destiné au restaurant. Oui, c'est qui tes clients du coup? Alors, j'ai beaucoup de restaurants, j'ai beaucoup de traiteurs. Et alors, j'ai un client un peu particulier, lorsque ce sont des joueurs de rugby, on leur fait des crêpes ovales. Ah bon? Ouais, c'est pour le fun, c'est plus rigolo. Et Roland Garros aussi? Oui, effectivement, on est en train de travailler avec Roland Garros. Et les JO? Oui, c'est les Olympiques, c'est dans quelques années et on commence déjà à se préparer. Bon, est-ce qu'elle est prête notre pâte, Philippe? On va voir. Allez. Oh ben, elle m'a l'air plutôt pas mal ta pâte. Génial. Alors c'est quoi le secret d'une bonne pâte à crêpes, Philippe? Il faut beaucoup d'amour. Ah, il veut pas dévoiler ses recettes. On a mis beaucoup d'amour là? Oh, je le vois, ça déborde. Ensuite, tu vas pouvoir tirer ton chariot en faisant attention de ne pas tomber. Et on va les amener à la cuisson. Alors là, tu vois, tu as une pile de 12 crêpes. Ok, je les replace. On replace bien pour que ce soit bien propre. Ok, allez, 12 crêpes. Envoyez 12 crêpes à la 12. Allez, hop. Alors, il y a quelque chose qui est important. Ouais. Il faut les goûter. Ah. Mais les goûter sur la ligne de production pour s'assurer que tout est parfait. Là, j'ai le droit d'en prendre une. On va pas se gêner, tiens, on va y aller. Et alors, comment tu vois que c'est une bonne crêpe? Il faut qu'elle soit souple, il faut qu'elle soit dorée, et au goût, il faut qu'elle soit équilibrée. Super bon. Alors, on va faire quoi, là? Tu prends une barquette qui est là. Ouais. Tu la positionnes là-dedans en faisant attention que ça épouse la forme, tu vois. Et après tu pousses le tiroir. Hop. Et voilà. Une jolie barquette de galettes de sarrasin fraîche. Ok. Ouais.
La petite Lefèvre. Et mettre en évidence que c'est un produit qui est fabriqué en Île-de-France. Et un petit Île-de-France. Et voilà. Bon, on a bien bossé, non? C'est pas mal, tu te débrouilles bien. À moi, c'est très clairement les galettes de sarrasin bien garnies, ça fait un repas du soir fabuleux. Peu importe, les deux me conviennent. En général, on commence par l'intérim et si le salarié prouve ses qualités, il bascule en CDI rapidement. Salé, salé, plutôt salé. Philippe, merci beaucoup pour la transmission de ton savoir-faire. Je t'en prie, tu es toujours le bienvenu ici. C'est sympa, merci beaucoup. Et maintenant, je sais faire des vraies crêpes. Mais tu les fais très très bien en plus. Par milliers. Par milliers, elles sont très très bonnes. Et si vous aussi, vous avez envie de venir fabriquer des crêpes et des galettes ici, chez Lefèvre, en région parisienne, n'hésitez pas à postuler. Ils recrutent comme l'agroalimentaire partout en France. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Et n'oubliez pas, Philippe, likez la vidéo et abonnez-vous. Et mangez des crêpes.